Fanatique compatriote civil à Haïti.com yo, encore une fois nous content retourner et la caillou avec une nouvelle vidéo pour donner un petit merci à toutes amis nous toutes compatriotes nous et qui toujours été connecté sur canal ça et n'a tout avec même plaisir qui est content honneur respect nous entrer la caillou et avec nouvelles informations ça OK nous porter pour bon dans dossier insécurité a jodi a la gagné maître Luc Man Delil qui c'est ancien ministre et donc justice dans pays d'Haïti mesdames et messieurs nous connaît et pour dire maître Luc Man Delil ouais et joute parce que c'est sous gouvernement Jovenel Joute là qui Luc Man était ministre et donc justice dans pays d'Haïti et nous songer à l'époque que Luc Man Delil te prend gros décision pour te fini avec question village de Dieu et ben c'est PM Joute qui lui-même t'a pral camper en face décision ça malgré négoté décidé bloquer toute entrée et sortie village là une façon pour iso te kake problème en dedans et bien et PM Joute lui-même t'a pral et mandé pour débarrer et village là une façon donc pour moun sorti et ben jodi a la mais qui résultat et décision joute la li même ribaille c'est village de Dieu qui tourne en véritable tête chargée pour pays a ak matisan et ben nous pral fort en des diverses déclarations choc qui mettent Luc Man Delil li même li fait jodi a la nan micro la presse sous même dossier insécurité ça et au pral saisi tande qui connexion Ariel et Léon Charles et donc France LB nèg sa ou gen avec divers gros bas bandi nan pays sa nou wè insécurité al pa ka fini et pa jam kon vraie décision ki prend pour nèg yo takle bandi yo nou wè se ti jwet en bas ka fèt chaque fois nèg yo descend on ti bandi ou tande yo démantelé et 400 maroze yo démantelé vite l'homme yo démantelé et iso ou bien ti la Eh bien mesdames et messieurs, nous pral fò sezi tan de koze ki nan pays sa avec maître Luc Man Delil qui c'est ancien ministre justice nan pays sa qui li même déjà connaît majorité nèg qui pa droite nan pays sa parce que c'est ministre justice li teye et ben c'est Jude Joseph qui était campé en face qui fait Jovenel te obligé révoquer maître Luc Man Delil que nous pral fò tande. Donc nan vidéo sa qui li même pral parler avec peuple haïtien qui pral bay en pile vérité tout et l'islam nan mel. Gè koze nan peyi sa, mesdames et messieurs. En tout cas, rete sou video a jusqu'à la fin. Abonne, like, partage, kite un commentaire surtout. N'ap tourne pou yo prochaine video. Maître Luc Man Delil, bonsoir. Bonsoir, Kamal. Bonsoir, Val. Bonsoir, Mago. Bonjour, Mago. Oui, bonsoir, attention, Mago. Bonsoir, je vous remercie. Bonsoir, je vous remercie. Bonsoir, je vous remercie. Très bien, maître Luc Man Delil, en fait, a fait un débat là pour nous garder un ensemble d'autorité, bien sûr, qui a servi, qui a capacité pour servir dans quel que soit le pouvoir de l'île. Mais, et puis, il a tout gardé pour nous, du monde qui peut-être est là, c'est après qui vient dans notre parti. Est-ce que maître Luc Man Delil est toujours OPL ou bien il y a une structure qui fait partie de l'île? Bon, effectivement, 2016, il est candidat sur OPL, effectivement, sur l'OMP. Donc, nous sommes sur un travail sur nos structures et politiques, nous avons le temps, donc la procureur de l'émission de l'autre. Ah, d'accord, voilà, c'est bon. Vous allez, monsieur, Fantastique 70, M. Pigman, pensez que vous allez petit bâtir le campé. Bon. M. Pigman de Lille, situation politique, là. Un petit bâtir à vous, M. Non, à la guerre, c'est pas parti à Nice. Et c'est des camarades, sur les frictions, la persécution politique, mais c'est pas vraiment tout ça. Nous avons besoin de complémentarité avec les structures politiques, donc pas de la plus de la plus. Ok, ok. Vous voulez dire, notre tendance, notre idéologie, notre vision des choses, M. Delil. Bon, en fait, le coup de l'homme, c'est pas payer au bas en plus la vie. D'accord? Dans tout ça. Parce que déjà, il y a un pile déjà. Il y a un pile en plus. Il y a un pile. Mais très bien, M. Pigman. C'est le pluralisme.
Oui, pluralisme. Oui, donc, le Pic Mandeli, le dernier temps, ça, il y a un peu de monde qui pensait à vous, parce que le regard est ouais, que, et un ensemble de zones, bandits fait la loi, et la dernière intervention, pas de la police malheureusement, la dernière intervention des individus armés de Pernier, ils ont débarqué au crasant le commissariat plate, pendant que Gagné, ils ont opération tornade qui lançait, même si quelqu'un qui dit la police n'a pas gagné matériel, est-ce que c'est avec la langue qu'on va faire cette tornade? Mais bon, en tout cas, groupe Victilhomme n'a crasé au commissariat. Et du coup, il a pensé avec Luc Mandeli qui débat 24 heures ou 48 heures à groupe en bas dans le village de Dieu. En plus, il pensait qu'il était capté en bas, mais il y a un problème. Bon, ou même l'organe des formes de ça, autorité, qui s'en dit tête ou, est-ce que il y a espoir ou bien est-ce que nous mettons abandonné? Allô? Oui, cher maître. Maître, continuez. Vous entendez-nous? Vous la question? Allô? Vous faites la question? Oui, c'est terminé. Est-ce que nous gagnez espoir ou bien nous mettons abandonné par rapport à ça, nous gardons là-haut? Bon, je dirais que c'est avec le code chinois, nous avons gardé état niveau dégradation ou payant sur le plan sécurité. Bon, naturellement, il fallait s'y attendre. L'homme dit ça, c'est que longtemps, il y a des autorités qui étaient à visitation avec le criminel, avec gang, avec des terroristes. C'est des choses pas imaginables, pensables. Longtemps, il y a une intérieure qui est en conflit avec gang, mais j'ai justice, je sanctionné, et qui tape supporté les criminels, les terroristes. C'est des bagages graves. On t'a dit, mais finalement, est-ce que c'est un pays où il y a des sacs à passer? On va t'a imaginé, nous, la rêve, on va t'a supposé tendre, et puis même moi, ça. Parce que rêve, on va être comme ça. Des deux hommes, on t'a supporté les criminels, on t'a dit, c'est un cauchemar qu'on fait. On t'a supposé un monde, bien. Nous sommes en train de vous dire que vous êtes un esprit aussi démoniaque, un esprit diabolique comme ça en tête. Tout. Bien, mon cher, malheureusement, pour le malheur du pays, bagage ça arrive à un pays, donc on bat comme ça, on bat comme imagine des rôles non plus pour l'État, des cadeaux de mèche avec des criminels, qui a fait la société souffrir, et nous, que l'État, et qui va des hommes au pouvoir des privilèges énormes, et puis pour eux, c'est une même époque associée avec des terroristes, ça fait pour le moment, ça va être crié. C'est des bagages, finalement, que jusqu'à présent, qu'on n'a pas compris que le niveau pays est jeune, ils sont là, donc des mines à l'école, et entre les guillemets, si vous voulez mettre le consacre, et bien, et que le pays en fait pire pour eux. Et c'est eux-mêmes qui décident de crasser le pays. Hein. Et mon cher, c'est des bagages vraiment graves, c'est des bagages lamentables, c'est des bagages vraiment qui font de la peine à perdre notre gros pays. Hein. Donc, je ne sais pas, 48 heures, c'est pas 48, c'est 70 heures du temps. Mais là, ma réfléchi, je me rends compte que il est toujours empêché de faire parce que l'homme a dit, il donne l'un de la méditation à mon qui est en pouvoir, et à mon qui est en opposition, à mon qui est en secteur des affaires. Donc, il n'était pas confondu. Donc, il m'a beaucoup mal engagé, donc, tout appareil à tout le monde à côté, ou bien qu'en face, ou bien à côté, c'est des mondes qui sont seulement de plus avec, donc, pas de problème ça. Moi, je pense que des mondes qui sont dans l'État, c'est des serviteurs même la même, que nous croyons que nous servons la patrie, qui pas de vie, nous pouvons faire l'argent, dans toutes conditions, et c'est des mondes que nous pensons qu'il y a honneur, dignité, paix, mon pays, hein, et qu'il y a un peu de moralité. Eh bien, nous voudrions me compte que nous détropions. Avec ça, ma bien comprendre, ma bien tenter, ma bien ma bien, il y a cette chose à prendre. Et franchement, donc, nous tombons bien. Mm-hmm. Mais est-ce que, en fait, ou pas un peu poser un peu de questions, là où le Canada, il y a un député, il y a un parti politique, un nouveau parti politique, qui qualifie de sanctions canadiennes comme théâtre politique? Parce que Guerre Saoudite, le pré-sanction, c'est pour faire politique, mais dans la réalité, il n'y a pas de décisions vraiment qui prennent au regard de la loi. Est-ce que nous, même en Haïti, je veux dire, ça va permettre que nous nous obligions à réfléchir par rapport à la sanction, pour nous questionner est-ce que
dans la sanction ça a gagné un coup politique là-dedans, ou bien est-ce que c'est débat réel à partir des dossiers et que vous sanctionnez l'ensemble de monde que vous sanctionnez? Bon, je vais dire deux balades. Et là, je me dis, c'est que moi, je crois que c'est pas la justice haïtienne et qui t'a fait la frontière pour chercher et mon qui t'a pris etc. Comment qui j'ai sur le qui fait et ainsi sur le qui j'ai, etc. Il t'a dit, et que moi, qui t'a bien pris, je ne pas. Et je regrette que c'est à partir de l'instance internationale qui a sanctionné des anciens dirigeants à tous les coups. Mais forme du tout, et certains moments de sanctionner le mal, ça, et il n'y a pas une nouvelle, c'est, il a juste dit que ce n'est pas qu'un déconné. Il n'y a qu'à bien une sorte de confirmation, si vous voulez. Parce que je vous ai dit, non, ça va, pendant plusieurs décennies, chaque bagaille drôle qui passe dans le pays, ou bien de conversateurs, ou bien de voleurs à l'État, nous sommes à l'article tout le temps. Et ça me parle de notre personnalité, nous connaissons déjà. Donc bref, nous avons dit de notre cité, que nous avons dit, et notre section, c'est des bagailles que nous sommes courants, comme tu as dit, parler de ça tout le temps. Parce que Haïtien, pas caché au manger, et Haïtien, pas caché au parole, c'est vrai, d'accord. Ça veut dire que même nous, que nous avons concordé avec, nous avons fait des corruptions, nous avons pris des activités dans les bagailles criminelles, c'est même nous, même encore, qui avons dit ça. Donc ça veut dire que si on va voler, il faut réfléchir un peu. Par exemple, si on va voler, on va faire une activité criminelle, que vous pensez que le pays n'a pas beaucoup. Hein? Parce que même nous, on va parler là, c'est lui qui a pris le choix. Alors, ce qui arrive à Denis, c'est comme si dans l'opinion publique, ça passe les sanctions, mais Jean où on a fait échange, si l'État haïtien, dit-il que le sanctionné de ressortissants haïtiens, avec des documents, des dossiers, même si la justice haïtienne était faible, il n'y a pas de faire enquête sur le monde. Même si parole là t'a parlé, il n'y a pas de faire enquête, mais au moins, il y a eu un dossier monté, même si t'as petit, je parle bizarre, parce que c'est Haïti qui t'a fait enquête là, mais quand même, Haïti, t'es qui dit l'État haïtien, là, voilà, mon vidéo sorti ensemble, il faut renforcer justice parce que nous pas fait enquête. Voilà, nous avons le dossier qui explique. Mais qui ça monte ça a fait dans le pays, hein? Donc il sanctionné. Et pour ça, la justice haïtienne a profité des dossiers ça y est, pour lui-même tout. Soit le prend des sanctions, lui-même parler, lui garder pour voir qui ça le fait avec nous. Mais avec un simple tweet, ben, le petit genre léger, dans le sens que, oui, ça passe dans l'opinion, mais nous, même en tant qu'avocat expérimenté, ancien ministre de justice, ou pas senti lui un petit peu bizarre, voilà. Bizarre pour que sanctions bah, à partir de tout et puis documents pour arriver pour pays, pour nation, pour le monde qu'on est. Effectivement, mon saïo, c'est pas seulement parole là, non, qui t'a parlé, mais en vrai, c'est le monde qui n'a pas fait qui pas bon. Et moi d'accord, avant, c'est ça que fait au début de l'émission, on dit que le fait que c'est pas la justice haïtienne. Et son pays étranger, et puis qui dit qu'il a sanctionné l'ancien directeur de l'État. Donc c'est quand même une honte pour le pays. Et on pensait que c'est le moment pour la justice haïtienne. Et le risque à figure, nous faisons un bagaille. Parce que c'est parce que nous ne sommes pas considérés comme pays qui fait ça arriver. Et nous qui sommes fonction de l'État, nous avons fonction de responsabilité. Il n'y a pas souvent assumé responsabilité, et c'est ça qui fait ça. Et c'est ça qui fait tout, le nombre de fonctionnaires en l'État, on veut bagarre, on veut pas quitter. Parce que malgré tout, les gens dans l'État, c'est destiné à cuire. C'est les gens qui vont tout changer. C'est les gens qui vont appliquer des principes, ils ne font rien, ne disent rien, acceptent tout. Donc là, ils viennent, ils disent que mon chef, on a été là, c'est pas celui qui font bagarre, mon chef, papa qui te montre sur les petits communs. Mais ça veut dire que, souvent, je fais carrière à l'État, c'est pas faire rien, pas dire rien, accepter tout le bagaille. Ils l'ont gardé, ouais. Et depuis que j'ai décidé, c'est comme ça que j'ai approché. Et les gens, c'est ce plan-là, c'est ce plan-là, c'est ce plan-là. Donc, les gens, c'est, ils passent sûrement, et t'as comme d'habitude, c'est pas sûr que le résultat fait une telle fonction. Sinon, là, c'est parce que, et ce monde-là, qui obéit à comprendre, c'est comme ça que l'État a monté, c'est une corruption. Qui a dit du sous-président Alexandre Boutchon, et bien c'est sur tout ça là, donc sur l'île pour bagaille, le système l'a injecté. Donc ça veut dire que
ces trois femmes vases-là, et obéissent à problème, et chaque qu'on peut aller, entre-temps, le pays se meurt. Il n'y a pas quelque chose de dire ça. Le pays a pleuré, il n'a pas fait, malheureusement. Mais tout le monde demande, là où tu es ministre, même si ce n'est pas pour pile de temps, mais si vous êtes content, j'ai des mesures officielles qui ont fait des gens avec Bandi. C'est ça qui passe ou pas, même de l'économie arrêté. C'est parce que ça a dit que j'ai deux constellations de fait. Premièrement, tu fais 4 mois seulement, et 4 mois, c'est rien du tout. Et deuxièmement, qui tombe à l'été chauffement, c'est la période coronavirus, Covid-19. Donc, nous voulons qui était fermé, même à l'époque, qui était fermé. La majorité, c'est la carité de tous les fonctionnaires publics, la grande majorité. Nous n'avons pas oublié ça, c'est pas où bien, nous avons besoin de travail. Et nous avons presque la carité, bref, c'est le monde qui était presque fermé. Donc, ça veut dire que, 4 mois, c'est presque rien du tout, le pays a commencé à ouvrir. Et j'ai dans le chef de la tête, etc. Et nous avons été rejetés dans le travail de tout le monde, et puis à ce moment-là, nous allons revaler, nous avons été comme toute histoire. Donc, bref, et cette sous-réaccusation du territoire du monde. Nous n'avons pas qu'à tout arrêter comme ça, parce que c'est pas le ministère, le personnel, le pari, pas pour faire ça. Nous avons notre espace comme l'État pour faire ça. Mais même là, et pour nous passer les instructions, mais moyennement, et Haïti n'a pas dit ça, on n'est pas tout le monde. Si oui, mais Dieu Mandeli, on va permettre que nous disions ça. Quand même, avocat de votre État, de votre club expérimenté, pendant avocat, il y a des informations pour rien, pendant que vous êtes ministre de la Justice, vous étiez commissaire du gouvernement, c'est-à-dire que vous êtes ensemble d'informations pour gagner, sous ancien officiel, à niveau officiel. Mais oui, d'accord, on va oui, d'accord, même nos instructions. Est-ce que c'est cette pression qui était forte ou bien ou pas vraiment mettre focus pour faire quelques instructions pour mettre dans le collège ou à Bicheville quelques bandits à cravate? Non, c'est pas ça. Je crois que c'est ça. C'est pour la considération du temps, tant que petit. Et deuxièmement, et question de Covid-19 et la République qui fermée. Donc, les républicains ont commencé à ouvrir. Timidement, c'est les salles qui ont mal. Et pas oublier que l'ordre d'information, et ou pas quand même, côté boulot, il y a des structures, tout comme ça. Donc, ça veut dire que force, les informations, il faut que l'information. Quand je parle de Haïti, il y a un pays, c'est le de tout le monde. Le monde va dire que c'est le de tout le monde. Mais moi et non, pour même comme responsable de l'État, et comme avocat, il va agir sur l'humeur. Donc ça fait magie, comme il y a des points inévitables, et c'était à ce moment-là pour nous passer les instructions. Donc, nous voulons comprendre mieux que ça. Donc, c'est comme ça tout, dans tout pays. Et en quelque sorte, on veut une information pour telle ou telle personne, et à ce moment-là, on met des structures en blanc, pour faire contre renseignement, contre information, pour nous dérater de ça, et accusations. Et voilà. Mm-hmm. Bon, maître de Pandéline. Nous gardons que je veux dire là, il semblerait que pas gagner de décision qui prend pour empêcher le phénomène de la guerre. Ça passe, M. Lucman. Vous pas gagner de proposition qu'a fait à pays, hein? Même si vous habituez par les gens, vous ne pas travailler sur un ensemble de propositions pour nous résoudre le phénomène de la même si demain, alors tout dit auditoire là, demain la grande ligne ouverte, côté population a bien pour participer pour dire qui ça qui nous est fait pour résoudre le problème de gang. Donc maintenant, comme nous venons ensemble avec M. Lucman Delisle, et qui ça vous pensez que vous avez fait pour résoudre le problème de gang aujourd'hui? Bon, c'est même vrai que des gros problèmes pour poser des solutions. Et je pensais que pour résoudre le problème, ça compte un peu une volonté pour nous autres. Et c'est vrai que on n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Mais en Haïti, souvent, et puis après l'assassinat de Pierre Gisani, tout gouvernement qui succède, c'est le gouvernement clan. C'est le bagage clan. Souvent, il parle de monde, et pour mettre à la place qu'il faut pour le problème. Et c'est comme ça qu'on fait pendant toute l'histoire. Donc, c'est des bagages qui coupent, des amis, etc. Et même si nous n'est pas capable de faire le coup là, c'est comme ça qu'on fait. Et malheureusement, c'est ça la plus là, c'est conséquence la plus là. Parce que nous parlons de l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Jean,
et on peut être États-Unis faire. A dit que États-Unis, ils vivent là, ils n'ont pas connu sur base de couleur forcément. Et si on va se dire, il n'y a pas ici seulement qui sont dans tout le pays d'Afrique, qui produit le roi, qui est le gouverneur, qui est sénateur, qui est député, si on va arriver là. Donc ils vont baser d'abord sur base de compétences, la moralité, l'expérience. Donc pour l'occuper des fonctions, et là, on peut être aux États-Unis. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Nous faisons en fonction du clan. Et c'est ça que je fais mal à l'arrivée là. Et puis, deuxièmement, et question sécurité, hein, nous parlons de priorité. Et pour l'État haïtien, particulièrement, et pour les forces armées d'Haïti, qui renvoyaient, qui c'est une catastrophique, c'est une capitale. Et ils ont fait votre pays à l'époque. Et c'est une cause majeure d'un peu et tout. Parce que tout ce que tu sais côté public éclaté en 1994, donc là on est occupé tout tes territoires, on renomme la police, et qui fait du paguer assez de moyens, qui par jeune couvrir tout territoire national là, alors que l'armée, et qui couvre tout territoire, et à travers la police rurale, toute section rurale, et on était des police rurale, des agents. Qui est une entité clé, une entité extraordinaire au pays, ils ont dit que vous faites justice, oui, t'es gagné justice. Mais attention, on ne va pas t'attraser pour embrasser tout par l'ensemble du vide. Par exemple, c'est 670 que sont en section de la Lune, les 146 communes, ils vont avoir couverture policière, jusqu'à vous en parler, il y a des communes qui vont être policières d'eux. Donc, et on croit qu'en Haïti, souvent, et solution cherche. La pire ne va pas chercher la tête, donc on va chercher les mondes pour nous donner des fonctions clés et vous mettez pour résoudre le problème là. Et du tout, l'entendez de nous qui dans l'État et qui t'a supporté quand t'as kidnappé le monde. Maintenant, le problème encore, ah ben, c'est ça que fait mal à l'arrivée là. S'il y a des mondes qui t'occupent quand dans CSPN, alors c'est lui-même qui sont chefs de camp pour Paul, quand même, mon cher, sans attendre. C'est normal pour mal à l'arrivée là. Donc c'est ça que fait. Haïti, maintenant, pays de l'enfer, on n'a qu'à venir pays à venir, malheureusement. Alors, maître Luc Mandeline, ton coumètre Vanessa Paul d'Acadine, selon qui article du code pénal, que je dis, nous avons relevé le système justice qui est à genoux, scandale sous scandale, pas de monde qui fait confiance, même si on n'a pas fait mieux confiance, falloir tout conclure pour nous, maître Luc Mandeline. Bon, malheureusement, on va être dans un compte. Parce que sur la justice dans le pays, c'est un gros problème, parce que nous pas qu'à éviter la sécurité. Si on voit la justice qui nous, la justice qui l'a remis à la sorte, la justice qui nous. Donc, on peut éviter la justice, donc c'est un pays qui est condamné et bouché. Et c'est en route, ça nous est là. Et donc, jusqu'à présent, par la justice, nous, et le temps du tennis, donc, il y a une pandémie, la Vénus, c'est quand même qui occupe l'espace là depuis les 8 mois passés. On n'est pas jamais. Et jusqu'à présent, c'est criminel, c'est terroriste qui occupe l'espace là. On va rééditer comme c'est une dado. Et comme si j'ai des tests, ça va me dire que je suis donc, que c'est quand même qui occupe jusqu'à présent par la justice. Donc, moi-même, je crois que si justice là, par un massif contribuer, malgré tout, il n'a pas l'air, donc nous ne pas sortir encore. Et au-delà de tout problème qu'on a posé dans le pays, la justice là, c'est tout à dire un élément fondamental pour la démocratie, pour le développement du pays. Donc on ne peut pas gagner une bonne police, on ne peut pas gagner une justice. Donc, police, justice, c'est deux bagues maillées ensemble. Parce que les policiers arrêtent, ils ne peuvent pas arrêter, ils ne la justice. Mais sous la justice qu'on a la guerre, et les gens qui apparaissent de la police, les gens cherchent à connaître, ils ont ces deux-là intéressés comme si c'est comme si mon nom est à mon nom, mon nom qui est libéré, qui est catastrophe. Ça va, ça continue mal, tu vois, ça veut dire que, ça veut dire que, on va jouer une bonne mauvaise graine qui va aller filtrer en tant que police, qui va dire que, on va dire que, ça veut dire que, on va mener mon tête, ça va nous. Donc, on croit que, et là, pour poser problème de justice, nous avons une compétence de détective. Mais malheureusement, on a une situation spéciale là, donc le pays n'a pas de installateur, on n'a pas de parlement, et ça, c'est trois pouvoirs censés agir. Donc, on a un exécutif en seule tête.
Donc, situation qu'on a posée là.